Salut à toutes et à tous, c'est Asgard pour une nouvelle vidéo sur mon bureau. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à craquer Tomb Raider 2013. Enfin, c'est la version, enfin, c'est celui-là de 2013, pas le nouveau. Et en même temps, je vais faire une petite présentation du site que j'ai créé. Donc je l'ai créé tout à l'heure. J'ai mis quelques jeux craqués. Voilà. Alors tout d'abord, vous allez vous rendre sur internet et vous allez télécharger Demon to Light. Donc je vous mettrai le lien dans la description, vous faites télécharger ici donc. Et uTorrent, vous faites installer uTorrent pour Windows. Donc ensuite, après que ce soit fait, donc les miens sont là. Voilà, attendez. Nettoyer son ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi faire et comment. Le tour de la question ciné-publique en moins de 2 minutes, c'est parti. Ce n'est un secret pour personne. Au gré de... Voilà, on va le faire, parce que ça, donc bref. Mes deux logiciels sont là. Vous allez sur le site que je vous mettrai en description, donc c'est le mien. Là j'ai créé. Donc le mien c'est ça. Hop. Donc c'est ça, j'ai créé un Quix. Voilà, donc c'est un site très très simple. C'est hyper simple à utiliser. Donc vous faites tous les cracks. Donc vous descendez, écrit direct tous les cracks. Et là il y a les cracks que j'ai mis en ce moment. Donc vous prenez Tomb Raider là pour nous, vous pouvez prendre Just Cause, ce que vous voulez. Donc Tomb Raider. Donc là ça va faire ça. Donc on va attendre une dizaine de secondes. Allez. Voilà. Donc cliquez sur le lien pour accéder. Donc ça c'est une pub. Hop. Ça tourne. C'est un lien méga. Donc là ça va donner une clé de déchiffrage. La clé de déchiffrage. Vous allez, la clé de chiffrage se trouve ici. Vous allez cliquer sur clé. Et là, vous avez toutes les clés. Donc, genre, nous, on a pris Tomb Raider 2013. Donc, on prend tout à partir du point d'exclamation à la fin. Clic droit, copier. Coller. Déchiffrer. Donc, évidemment, s'il y a un lien qui est mort, vous le dites, je le remettrai. Maintenant, on est arrivé là, vous faites télécharger via le launcher, via le navigateur. Ou si vous voulez, vous faites l'autre. Donc on va attendre que ça se télécharge. Voilà. Hop là. Tomb Raider Skeletro.torrent. Donc là, moi je vais faire ouvrir. Donc ça va l'ouvrir. Voilà. Donc ça va vous ouvrir direct uTorrent. Donc là, c'est uTorrent, vous avez dans la liste, souhaitez vous charger le tracker? Non. Moi je mets non, vous mettez oui. Et ça va vous faire une page. Attendez, je vais le faire avec un autre torrent. Je vais faire avec un torrent pour vous montrer ce que ça fait. Genre, on va prendre celui-là. Voilà, donc ça vous ouvre ça en fait. Une page comme ça, vous sélectionnez votre là où vous voulez le mettre. Donc hop, moi je le mets d'habitude, moi je le mets dans le D. Hop, je vais sélectionner. Ça vous crée ce dossier-là. Vous faites OK. Et ça va vous lancer télécharger. Donc voilà. Moi, Tomb Raider, il est là, il est fini. Donc là, c'est comme ça, mais ne vous inquiétez pas, lui, il est fini. Vous faites ouvrir le dossier de réception. Hop. Donc, le mien, il est là. Ça vous donne ça, là. Donc, un fichier ISO et un fichier NFO. Enfin, info, quoi. Vous lancez Demon to Light. Donc désolé si des fois ça part comme ça sur le côté, c'est que j'ai deux écrans. Donc, voilà. Donc ça met un petit peu de temps à se lancer, ça doit mettre une trentaine de secondes. Voilà, à même pas. Voilà, maintenant qu'il est lancé, donc vous aurez pas ça. Éjecté. Attendez, vous aurez pas ça. Vous aurez ça. Donc vous prenez le fichier ISO, vous le déplacez dedans, ça vous crée ça, bon, ce que j'ai supprimé en fait. Vous faites clic droit, monter. Hop, et ça vous a monté, vous voyez, un CD. Donc vous diminuez. Et vous voyez, là ça va créer, ça va lancer, comme si j'avais le CD en fait de Tomb Raider. Donc vous cliquez sur ce PC, faites un clic dessus, clic droit, et ouvrir. Donc ça vous ouvre en fait le dossier qui est dans le CD. Et vous lancez le setup.exe. Faites oui.
Et là, ça vous ouvre ça, vous faites Next. Vous sélectionnez votre dossier, vous faites Suivant. Ça va vous lancer le téléchargement. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà. Eh bien, il est là. Alors attends, je joue. Un deuxième. Il est là. Tower Raider, celui-là, là. Oh. Après le téléchargement, ça vous fait dire, vous aurez tout ça en fait. Tout ça. Donc là, ça va être très simple. Là, vous avez ouvert le setup du CD. Il y aura un dossier SkyDraw. Vous prenez tout ce qu'il y a dans SkyDraw et vous le mettez dans le dossier du jeu. Faites remplacer. Enfin, vous faites remplacer. Moi aussi, je vais le faire. De toute façon, ça sert à rien. J'ai déjà fait. Mais je fais quand même avec vous. Et là, c'est terminé. Maintenant, vous pouvez lancer tomraider.exe. Je vais le lancer avec vous. Donc là, au début, vous allez rien voir. C'est normal. Je vais le diminuer. Et attendez, je baisse ce son. Vous faites jouer. Vous, si écrit play, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Vous allez découvrir pourquoi. Je vais vous expliquer. Donc là, mon jeu se lance. Normal, il se lance. Donc là, vous, c'est censé faire un écran noir. Parce que je peux pas le mettre encore en fenêtre, il faut que j'attende qu'il se lance. Enfin, là, moi, je vois les images, mais pas vous. Allez. On va faire option. Ah, je peux pas enlever le mode plein écran. C'est chiant, ça. Je peux pas enlever plein écran, mais c'est pas grave. Donc, vous, quoi, là, vous voyez l'écran noir. Mais je vais vous expliquer. Quand vous allez commencer, enfin, quand vous aurez lancé le jeu, il sera en anglais. Donc, il y aura écrit, il y aura 1, 2, 3, il y aura 5, 5, enfin 5 mots en fait, on va dire, il y a continuer, nouvelle partie, multijoueur, bonus, option, vous les aurez, enfin vous, c'est l'écran en anglais, donc voilà, normal. Vous prenez dans option, donc ça doit être setting, dans game, setting game, enfin, game setting, et il y aura écrit English, vous changez en français, vous allez une fois à droite, après vous faites fermer. Et vous, si je vous change la langue, oui. Après, vous pourrez jouer comme vous voulez. Voilà, moi je vais quitter le jeu. Voilà. Donc, c'est la fin. Maintenant, vous savez comment cliquer Tomb Raider. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.